Les deux champions d'Afrique 2022, Madagascar chez les hommes et l'Égypte chez les dames, remettent leur titre en jeu au Caire pour les championnats d'Afrique de basket 3x3 édition 2023. Chez les dames, en demi-finale, on retrouve le remake de la dernière finale entre l'Égypte et Madagascar. Dans cette rencontre électrique, les champions en titre prennent le meilleur départ. Victoire finale pour l'Égypte, 18 à 14. En finale, les Égyptiennes retrouvaient le Kenya, vainqueur de l'Ouganda 16 à 14 en demi-finale. Une nouvelle fois emmenée par Soraya Mohamed, l'Égypte semblait partir vers un nouveau sacre. L'écart grimpa même jusqu'à 5 points. Sans paniquer, les Kenyans se remettent doucement dans le droit chemin, alternant le jeu intérieur-extérieur. Nathalie Mwangale, grâce à un dagger qui va faire très mal aux Égyptiennes, coiffe les champions en titre au poteau pour remporter le tournoi 21 à 20. Chez les hommes, Madagascar, champion en titre, retrouva le Nigeria en demi-finale. Les Malgaches démarrent bien le match, mais doucement, les Nigérians retrouvent le rythme. Les deux équipes sont au coude à coude. Eli, le meilleur joueur africain du 3 contre 3, maintient Madagascar à flot. Le Nigeria réagit de loin pour repasser devant avec Ukaouba. Le suspense est à son comble. Eli Jordanesque prend l'équipe sur son épaule. Le tournant du match, ce catch and shoot de Ukondai, qui non seulement va faire passer devant le Nigeria, mais également booster leur confiance. Une pluie de 3 points tombe sur le Caire, qui en a vraiment besoin. Les Blancs s'envolent le score. Le Nigeria se qualifie pour la finale, 17 à 15. L'autre demi-finale, 100% maghrébien, entre l'Égypte et l'Algérie. Les Verts prennent un bon départ sous le sillage de Maguid Amour. Poussée par leur public, l'Égypte revient rapidement dans le match. Les attaques se répandent. L'Algérie en 1 contre 1. Au final, victoire aisée des locaux sur le score de 18 à 15. Une finale inédite alors entre l'Égypte et le Nigeria. Évidemment, l'Égypte prend le meilleur départ, mais très vite le Nigeria hausse le ton et revient à hauteur. Mido et Rami Abdallah pilonnent les Nigérians de loin. Victoire logique des Égyptiens, 18 à 13, qui retrouvent leur trône.